Bonjour à tous, Estelle de Farming Together, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2. Aujourd'hui, on se retrouve à la ferme de la Conillet en Loire-Atlantique, mais cette fois-ci, on ne va pas parler d'agronomie, mais plutôt de matériel, plus précisément de tracteur, et pas n'importe quel tracteur, puisqu'aujourd'hui, on restaure le fameux 1455 XL. Et pour ça, Fabien, connu sous le nom de Phoenix Agri, va me rejoindre dans quelques instants. Bonjour Fabien. Salut Estelle. Ça va? Ouais, très bien, toi aussi? Ouais, très bien, ouais. Bon, ça y est, t'es prêt pour restaurer le 14? Ouais, tout à fait. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu vas lui faire? L'idée, c'est de faire vraiment une restauration. Quand j'entends restauration, c'est-à-dire qu'on va commencer par un lavage, mais un lavage vraiment en détail, lavage approfondi. Ensuite, on va essayer de retirer le plus possible d'oxydation en surface. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un travail qui soit durable et éliminer tout ce qui est corrosion, tout ce qui est néfaste au matériel. Et ensuite, on va lui redonner de la brillance, tout simplement avec la technique du polissage. D'accord. Et ensuite, on fera une belle préparation de la cabine pour retrouver vraiment un ensemble, un tracteur qui se rapproche le plus possible du neuf. Ok. Et alors au passage, on va changer les autocollants aussi parce qu'on va changer de couleur. On va le passer aux couleurs Farming Together. Oui, tu m'avais parlé de ça. Voilà, exactement. Bon, on va lui changer d'identité et puis on va lui refaire une beauté. Ok. Et ben, je te propose d'aller le voir. Il est juste là dans le bâtiment. Je te suis. Le 14. Ah oui, voilà la bête. C'est ça. Une belle bête. C'est un tracteur qui est assez mythique. Ça, c'est vrai qu'il a fait ses preuves par sa fiabilité, il n'a plus rien à prouver. Ah oui, c'est sûr. Bah, il est vendu pour 140 chevaux, mais ouais, il en fait beaucoup plus. On sait très bien qu'ils étaient généreux en ce temps-là. Tu lui donnerais combien d'heures? C'est difficile à dire, étant donné qu'il a été repeint. Moins de 10 000 heures. Ouais, il y a moins de 5 000 heures, un petit peu moins de 5 000 heures. Ouais, donc il a toute sa santé. Ah, exactement, il peut encore en faire. Et donc là, tu vois, la peinture est un peu abîmée, hein, il est défraîchi. Ouais, quoi. Ouais, donc on veut le remettre en valeur. Ouais, ça va lui faire du bien, c'est normal. Hein, c'est le temps qui fait son effet. Il a été restauré repeint en quelle année? C'était en 2014. 2014. Oui. On l'avait exposé la première fois à InnovAgri en 2014. Oui, ça a marqué les esprits. Surtout avec la monte, il avait une autre monte de pneus. Si oui, je on pas était en 1050, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Ouais. Je constate que vous avez dû retrouver un échappement inox. Exactement, on a racheté un deuxième pot inox après s'être fait voler le premier sur le salon. Ouais. Ouais. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à le remettre dans son état. Bon, écoute, à moi de jouer. Écoute, Estelle, si tu veux bien me l'emmener sur l'aire de lavage. Pas de problème. Merci. Voilà, il est prêt. Ok, écoute, moi ce que je vais faire, je vais commencer par un bon lavage au canon à mousse. Je vais dégraisser un petit peu les zones graisseuses, relevage avant, toute la partie bloc arrière. Dégraisser en localisé. Je vais retirer le plus possible d'oxydation, notamment sur les jantes. Et voilà.
Ok, tu as besoin d'un coup de main? Bon, écoute, pour le lavage, ça va aller. Pour le retrait des autocollants et autres, je pense que oui. Ok. Et alors, je te rejoins dans combien de temps? Oh, écoute, d'ici 1h30, ça devrait aller. Ça marche. À eh tout bien, à à tout l'heure. à l'heure. Bon courage. Ça y est, j'arrive au bon moment, t'as ouais, terminé. C'est bon, le lavage est bon. C'est bon, ça c'est ça fait. Ça prend un petit peu de temps hein, quand même, ouais, le lavage alors. Ouais, ça prend un petit peu de temps. C'est important, si tu veux, c'est important pour vraiment débarrasser la carrosserie de toute la poussière. La terre, qui peut être préjudiciable après pour le polissage, il faut avoir des surfaces qui soient parfaitement propres. C'est pour ça que je passe un petit peu de temps quand même à avoir un lavage déjà qui soit fait dans les règles de l'art, dégraisser les zones qui étaient graisseuses, relevage avant, relevage arrière. Je te laisse constater mes légendes, j'ai débarrassé le plus possible d'oxydation en surface, peut-être encore plus visible sur les jantes à l'avant. Tout ce qui est oxydation de surface, il faut, le but du jeu, c'est d'essayer de freiner la rouille. Par la suite, je vais appliquer une protection anti-rouille, incolore permanente. Comme ça fixera la rouille. Donc bon, c'est plein de petites choses, mais ouais, en effet, le lavage me prend du temps. Ouais. Bon, en tout cas, c'est que le début, mais il est déjà beaucoup plus propre. Et c'est propre. Là, on va pouvoir attaquer la deuxième partie. Ouais. Donc là, on peut enlever les autocollants. Et ben voilà, on va commencer par ça. On va retirer les autocollants au décapeur thermique. Ça marche. Tu fais ça ici ou je le ramène au bâtiment? Oh, tu peux le ramener si tu veux. Ouais. Ok. Ça marche. Et ben on se rejoint là-bas. Bon, mais maintenant qu'il est au sec, tu peux me montrer comment on fait pour enlever les autocollants? Ouais, tu vas voir, ça va être très simple. On va prendre le décapeur thermique et puis bon, je vais te montrer un petit peu comment servir du décapeur thermique, régler la température et l'éloignement de la machine et puis on va commencer à décoller les autocollants gentiment. Ok. Toujours ma lampe d'inspection. Ici, donc, à partir du moment où on retire des autocollants, c'est là qu'on aperçoit le niveau de décoloration. Les autocollants ont été posés sur une carrosserie qui avait été refaite à neuf, et donc là, on voit un petit peu l'état de décoloration. C'est peut-être un peu moins visible sur des couleurs foncées, sur d'autres couleurs comme le rouge, par exemple. Forcément, c'est toujours un petit peu plus visible. Tous les véhicules finissent toujours par décolorer. Certains, ça se voit plus que d'autres. Mais là, en l'occurrence, le but du jeu, c'est qu'au polissage, on ne voit plus rien du tout.
j'ai fait la, moi, ce que j'appelle dans mon jargon un 50-50, hein, ouais. Moitié-moitié du capot pour illustrer un peu ce que ça donne. Tu vois que donc la partie ternie a disparu. On retrouve la brillance, la profondeur, comme une peinture d'origine, voire même des fois, on arrive à plus de brillance que sur des peintures d'origine. Ah oui. On arrive des fois, oui, à obtenir plus de brillance que des peintures neuves. Comme je dis toujours, vaut mieux un bon polissage qu'une mauvaise peinture. Là, en l'occurrence, voilà, là, on se retrouve avec une surface qui est vraiment, vraiment parfaitement lisse. Tu vois les traces d'autocollants qu'on avait ça a complètement disparu. Donc, ça, c'est des résultats qui encouragent, qui donnent du baume au cœur pour faire la suite, inévitablement. C'est long, c'est un travail de patience. J'ai souvent des clients qui pensent que on passe juste un coup de polish et puis ça se fait à la main en 2-3 mouvements. Non, c'est un travail qui est long. Il faut combien de temps là pour finir le 14 en entier ? Écoute, là, je me donne encore entre la préparation cabine, le polissage complet, la restauration des plastiques, je me donne encore largement 8 heures. D'accord. Ouais. Après, je suppose que tu as tous les petits endroits qui ne sont pas accessibles avec une machine que tu peux faire à la main. Je fais à la main, exactement. Donc là, ça va concerner un petit peu le haut de la cabine, les montants de cabine. Forcément, le travail qu'on va faire à la main n'est pas du même résultat que le travail de la machine. Après, ce n'est pas de la magie. Le résultat est complètement durable dans le sens où on retire définitivement quelques microns de peinture qui est oxydée en surface. Ce qui permet d'avoir ce résultat-là, parce que c'est une question qui revient souvent. On dit oui, en effet, c'est joli, mais combien de temps ça dure ? Combien de temps, revient souvent, si tu veux, c'est normal, parce que le polissage, autant dans l'automobile, c'est quelque chose qui s'est démocratisé. Dans l'agricole, c'est encore un petit peu nouveau, donc on pourrait penser que c'est des produits magiques, il n'y a absolument rien de magique. C'est des polishes professionnels qui sont abrasifs, donc on vient simplement retirer quelques microns. Hein. On est à peu près de l'ordre de 10 microns, ce qui est très peu et sans risque, mais on vient retirer donc définitivement ce voile terne, oxydé, et éventuellement les petites griffures qui peuvent apparaître aussi en surface. Ok, et donc tu peux nous montrer avec les machines comment tu fais ? Ouais, alors donc, moi ici... Ici, tu vois, j'ai deux machines. Hein. Ce sont des machines professionnelles avec des diamètres différents. Hein. La petite qui m'aide forcément à passer dans des endroits un peu plus exigus. Là, on n'est pas tout à fait sur des surfaces parfaitement planes. La combinaison des deux permet d'avancer. On est sur des machines qui sont excentriques, hein, donc ça tourne à la fois en rotation et de manière excentrique. Tu peux constater que sur la mousse qu'on appelle le pad, on a de la peinture grise, ce qui vient donc confirmer ce que je viens de dire à l'instant. On retire un petit peu de matière. Hein. Donc là, on a un mélange de polish et de peinture, tout simplement. D'accord. Et donc, je voulais que tu mettais une espèce de crème ou de produit sur, voilà. Sur la voilà, machine. Donc c'est du polish avec différentes abrasivités. L'abrasivité va être en fonction du niveau de décoloration, de la dureté de la peinture. Il faut connaître un petit peu les peintures. C'est en faisant qu'on apprend. Ouais, moi, avec l'expérience, je commence à aller plus vite, à mieux connaître les tracteurs et leurs caractéristiques. Donc, on adapte à la fois les polishes, les pads. Des fois, une seule passe suffit. Parfois, on fait deux passes pour faire une finition, etc. Merci pour les explications. Ben, je vais te filer un coup de main dans ce cas-là. Ah bah, avec plaisir. Je vais commencer de l'autre côté. Écoute Estelle,
Il reste plus que ce petit morceau de capot, ouais. Et puis on en aura fini. Le résultat polissage est quand même correct. Ah ben oui, on se voit dedans, donc toi oui, d'en c'est juger. Réussi. Ouais, c'est l'objectif. Les plastiques sont faits, donc là maintenant, moi je vais pouvoir m'attaquer à la cabine. Okay. Et le temps que moi je serai à préparer la cabine, écoute, je te laisse terminer. Ouais, puisque bah, y a pas de souci. J'ai vu que la technique était acquise, donc je te laisse continuer. Et alors là, pour la cabine, tu commences par quoi? Eh bah, écoute, moi je commence toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'une bonne aspiration du sol au plafond, on enlève bien la poussière. Ensuite, okay. Je travaille avec un pistolet Tornador. Okay. Pistolet Tornador, c'est un pistolet pneumatique. On tourne à peu près à 7 bars, hein. J'utilise mon compresseur. Okay. Ça permet vraiment d'aller soulever la poussière dans les moindres coins et surtout, et c'est là l'intérêt, d'aller nettoyer tout ce qui est capitonnage, moquette, des parties qui ne peuvent pas se démonter. Voilà. D'accord. Et puis après, on va finir tout ce qui est plastique, etc. Je vais passer des produits sur les plastiques, les vitres et on ne sera pas trop mal. Ok. Ben voilà Estelle, c'est bon. Le 14 est rénové, extérieur, intérieur, la cabine est faite. Il a repris un peu de brillance là. Ah oui, merci pour le boulot que tu as fait. Bah merci pour l'accueil. Et bravo surtout parce merci. Que pour le coup là, il a pris un sacré coup de jeune. Bah merci aussi pour ton coup de main parce que tu t'es très bien débrouillé. Tu t'es merci. Très bien débrouillé. Ça peut susciter des vocations. Au plaisir de revenir l'essayer. Et bah, pas de problème. Écoute, à la saison de déchômage, je pense qu'on l'attellera, donc il n'y a pas de problème. Tu pourras revenir. Eh bah avec plaisir. Ça marche. Ça marche. Et bien merci. Bon retour. Merci à toi. Bonne soirée. Le 14 est maintenant aux couleurs de Farming Together. Je vais pouvoir l'atteler sur l'épandeur d'engrais pour ce printemps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme d'habitude. À bientôt.